Salut les amis! Bon bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. Théo, Oscar. Viens me voir, gros sac. Ça va, gros chien? Tu dis bonjour? Regardez ses yeux, ça s'arrange pas, hein, putain. Je pense que je vais retourner au véto. Hein. Toi, je lui mets bien ses gouttes, sa pommade. Mais non, ça passe pas. Ça passe pas. Bizarre. Donc, oui, petite conjonctivite pour Oscar. Mais ça a pas l'air de le déranger plus que ça. Et comment c'est chiant, ça coule. Enfin bref, donc bon, je vous explique rapide. Je pense que la vidéo sortira ce week-end. On est quel jour là? On est mardi. On est mardi, si je dis pas de bêtises. Donc là, on a bougé avec le copain John. Vous savez, celui qui a le gros camion caisse, ce qu'on insta, que je poste régulièrement. Ouf, des photos. Et c'est celui qui a l'Iveco là, le gros camion caisse. Le Master, pardon. Je dis des conneries. Excusez-moi si j'ai une petite voix, je sors de la sieste. Je suis pas très réveillé. Donc voilà, on a bougé tout à l'heure. Là, on se dirige bon, vers l'est, hein, tranquillement. On n'a pas trop de destination pour l'instant. Peut-être les gueux, je sais pas, en Ardèche, je sais pas. Et on est loin là. Donc là, on est au lac du. Lac du. Merde. Attendez. Lac du Louet. Ce temps magnifique, comme vous pouvez le voir. Ça fait chier ce temps pourri. Il pleut. Bon, par contre, il fait plus très froid. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Il fait froid, mais il pleut, mais il fait pas froid. Donc voilà, je voulais venir voir le lac. Il est bien noté. C'est magnifique, hein. Bon, c'est dommage qu'il fasse pas beau. Tant pis. Tant pis, tant pis. On va chercher la canne à pêche. On va se bouger un peu les fesses, parce que depuis 3 jours, on fait rien. On fait rien, on se balade même pas. On fait rien. Donc là, on va aller pêcher. Ça va nous faire une petite marche. On va aller mettre le caouet, parce que ça pleut. Et puis voilà, que dire de plus pendant ces 3 jours où j'ai rien filmé? Bon, rien. Il s'est rien passé. Non, 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 on a passé les soirées avec les copains là. Mais moi, vous savez, voir du monde, enfin, voir tout le temps du monde comme ça, enfin, c'est pas que j'aime pas. Hein. J'adore rencontrer des potes et tout, mais pas plus de 3 jours quoi. Pas plus de 3 jours parce que. Ouais, j'aime bien être seul moi aussi. J'aime bien me retrouver seul. Dans ma petite nature, donc là, même si je suis pas seul, là, je suis avec John. Lui, il est super cool comme gars, chacun fait sa petite vie. Bah, lui, il fait encore la sieste. Lui. On s'est encore couché à 2h30, 3h ce matin. Ouais, ce matin. Et donc là, on a fait la petite sieste. Et je peux vous dire que ce soir, on va pas se coucher tard. De toute façon, quand il fait ce temps de merde, il n'y a pas grand chose à. C'est pas agréable quoi d'être dehors. Donc voilà les amis, nouvelle vidéo. Et puis voilà, que dire de plus? Rien. S'il y a des gens en Verpo, enfin non je dis ça, mais c'est des conneries. Mais je vais le dire quand même, parce que je suis comme ça. Mec, rien à dire. S'il y a des gens sur Pau, hein, pour un apéro, voilà, vous êtes la bienvenue. Hein. Bah je pense qu'on va bouger demain. Enfin je sais pas, on verra. Donc voilà, si on est encore dans le coin, vous le saurez à la fin de la vidéo. Voilà, s'il y a des gens sur Pau, n'hésitez pas à venir avec le copain. Et moi, c'est cinglé, tiens. Taré. Oui, c'est ça le camion du pote. Il est énorme son truc. Un gros camion caisse, moi, il y a de la place là-dedans. C'est limite à ce qu'il me faudrait avec les chiens, quoi. Et le grand luxe, quoi. Il peut tenir debout dans son truc, quoi. Ça, c'est vraiment le luxe, quoi. Moi, je peux pas, j'ai un peu la tête penchée. Quand vous pouvez tenir debout dans un camion, ça c'est vrai que c'est le top quoi. Regardez-moi le bordel. C'est sympa hein. Il est sympa. Là, ce matin il était changé ses pneus. Putain, c'est des escrocs quoi. Il s'est fait enfler mais d'une force. Un pneu d'occasion avec le montage, 60 euros quoi. L'autre, putain, les putains d'enfoirés quoi. 60 euros c'est presque le prix d'un neuf quoi. Enfin bref. Bon allez, à tout à l'heure les amis, peut-être à demain, je sais pas. Et puis voilà, l'aventure continue, hein, comme d'habitude. Oh, il pleut, il pleut, il pleut. Salut tout le monde. Bon, attendez, je lâche les chiens. Ils sont là, les gros loups. Ils sont là, les gros loups. Coucou les gros loups. Coucou les gros loups. Il fait trop beau. Allez, on va se promener. Bon, je ferai ça après. Bon, j'espère que tout le monde va bien, on est mercredi. Regardez-moi ce grand soleil bleu aujourd'hui. Et quel bonheur. T'as rien à voir avec qui, hein. On n'est-il pas bien? On n'est-il pas bien? Regardez ça, franchement. Le camion est juste là. L'étang à 20 mètres.
On est trop posé. On est trop posé. Bon, par contre, c'était marqué propriété privée. Mais enfin, c'est pêche privée, pardon. Donc là, je vais pas tenter hein, parce que hein, ça appartient à quelqu'un. Et là, si vous faites choper, ça pique. Pas de permis, machin. En plus, la pêche est pas encore ouverte. Donc non, on va éviter. Bon bah John il est parti taper la manche. Et oui c'est un gars. Je vous parlais de lui vite fait, hein, bah, sans le balancer toute sa vie quoi. Mais John c'est un gars de 50 ans, vous voyez, qui a toujours galéré dans sa vie. Hein, il était à la rue, il était SDF, machin. Et vous voyez, il touche lui aussi, il touche le RSA, il touche 500 balles par mois. 560 pour être exact. Et vous voyez, il a dû changer ses 4 pneus arrière. Plus une roue de secours, donc voilà la facture à 240 balles. Donc vous voyez, quand vous touchez 500 balles par mois, bah là, le moindre imprévu, 240 balles, bah et voilà, faut qu'il fasse la manche quoi. C'est un mec que j'adore, franchement, il est d'une générosité, ce mec, j'ai jamais vu ça, franchement. Lui, il va taper la branche. Bon, il y a des gens qui donnent beaucoup, beaucoup de bouffe. Qu'est-ce que t'as senti? Qui lui donne beaucoup à manger. Et la première chose qu'il fait quand il a des sacs pleins de bouffe, bah il va la distribuer à. Bah aux gens qui en ont besoin quoi, donc c'est vraiment un mec avec un cœur énorme, on peut le dire comme ça. Hein. Il partage, mais il partage, même avec rien, il partage tout quoi. Il m'a filé plein de conserves qu'il a récupérées à la manche, alors qu'il pourrait très bien les garder pour lui quoi. Et non, il aide les gens à s'en sortir. Vous voyez, maintenant il a son camion, il se démerde quoi, il fait ce qu'il a quoi. Et franchement, ce mec, il est vraiment adorable. Bon, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, nous? Hein, les gros chiens? Qu'est-ce qu'on va faire, Oscar? On va aller se promener après? Oh, on va aller se promener. Je vais juste ranger un petit peu le camion. Je vais sortir les petits cactus là, pour qu'ils prennent un bain de soleil. Bon, par contre, ça c'est un peu dégueulasse ici. Hein. Les petits cactus, j'ai récupéré mes cactus chez Alain. Ah oui, je sais même pas si je vous l'ai dit ça. Je sais même pas si je vous l'ai dit que j'ai été récupérer mes affaires chez Alain. Si, je vous l'ai dit. Pff, je sais plus. Ouais, j'ai récupéré mes cactus, toutes mes cannes à pêche, mon gros bordel canne à pêche. Et voilà. On va pouvoir pescader. Attendez, je prends ça. Allez, ah, toutes les cannes à pêche. Regardez-moi ce bordel. Bon, les amis, à tout à l'heure. Je sais pas ce que je vais vous filmer, notre petite balade quand même. Ouais, j'ai rien à vous filmer de spécial. Hein. D'ailleurs, faut que je vous. Putain, faut que je m'occupe de ça aussi. Mais il n'y a rien, pour l'instant, il n'y a rien. Vous allez dire, mais de quoi il parle, le mongolien là? Non, mais vous savez, j'ai ouvert une chaîne, le jardin d'Oslo. Voilà, pour faire uniquement des tutos plantes. Allez, il n'y aura pas de blabla, il n'y aura pas de spot. Hein, ce sera vraiment uniquement des tutos plantes, ouais, des plantes que je connais. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse comme plante? Regardez, il n'y a rien. S'il n'y a pas une feuille, il n'y a que dalle, quoi. Vous faire un tuto sur le lierre quoi, de lierre, c'est de la merde. Enfin bref, bon allez, à tout à l'heure les amis, nous on va profiter un peu du soleil. Je vais m'occuper de mes petits cactus. Allez, à tout à l'heure. Bon, finalement on a bougé de spot, il y avait beaucoup trop de monde, il y avait une personne toutes les 5 minutes là qui se baladait. Et avec l'autre terreur là qui arrête pas de gueuler pour protéger le camion. Donc là on risque de croiser personne. On est au milieu des champs. Il n'y a personne. Regardez-moi cette vue sur les Pyrénées, les amis. C'est un truc de ouf. Je sais pas si vous voyez bien sur la vidéo. Regardez ça, c'est tout enneigé, c'est trop beau. Attendez, je vais faire un petit zoom. Zoom, zoom. Regardez ça. C'est trop beau. Il y a beaucoup de neige, hein. C'est ouf. Trop beau, trop beau, trop beau. Donc il y a la route qui passe en bas, mais bon. Tant pis, c'est pas grave. Une voiture tous les ans qui passe. Donc voilà, on va rester là pour aujourd'hui. Ah, moi je suis en grand angle. Ah non, je suis pas en grand angle. Bon allez, à tout à l'heure. Ça va mon bed? Tu restes là, hein? T'as soif, gros sac? Allez, viens boire un coup, Oscar. T'as retrouvé ta neige, mon chien? T'as retrouvé ta neige de Savoie? Bon les amis, j'ai été attiré par la montagne. La voir de loin, c'est bien, mais y être, c'est encore mieux. Hein. Regardez ça. On est trop posé, quoi. On a vraiment eu du bol sur ce coup-là. Parce que depuis du spot, on était là tout le long, mais vraiment tout le long de la. Ça, c'est l'Adour, un petit ruisseau. C'est tout, des baraques, des campings, des maisons, des. Enfin, c'est blindé de monde. Donc là, on avait vraiment du bol. On est tombé. Ça, c'est une centrale électrique EDF, je crois. J'ai cru voir. C'est ouvert.
Sympa une petite maison ici. Bon, par contre, fait chier, il y a la route qui passe juste là. Et les voitures, hein. Mais bon, je pense que le soir, il y aura personne. On va être peinardos ici. Là, il y a des trucs de pêche partout, des parcours de pêche à la truite. La truite arc-en-ciel, la truite Fario. Et en fait, là, vous avez une petite retenue d'eau, en fait. Ah, mon bête, on est bien là. Hein, on est bien là. C'est encore tout enneigé hein, sur les cols. Il hein. Y a même des traces de neige encore. C'est beau. Hein. Et je vais vous montrer la petite rivière. Vous allez voir comment elle est sympa. Bon, par contre, cette nuit, on va se cailler, je pense. Cette nuit, il va faire froid. Voilà, on est quand même à 1500. Hein. 1500 mètres. Bon, par contre, faut pas rentrer parce qu'il y a des caméras partout là. C'est bombardé de caméras. Allez, ça, la petite rivière. Comment elle est jolie. Magnifique, hein? Magnifique. Donc voilà, le petit spot pour ce soir. Et il y a plein de bois. Il y a plein de bois, c'est génial. C'est blindé. J'ai vu qu'il y avait une autre. J'ai vu qu'il y avait une autre petite maison aussi. Je vais aller voir, ça se trouve, il y a des gens. J'ai même pas fait gaffe. Viens, gros sac. Eh bien, eh bien, mon Oscar. Regardez ça, il y a plein de bois. Oh là là. Il y a tout ça. Hop. Là, je vais mettre un coup de scie là-dessus, là, pour ce soir. On va se faire une belle flambée. Là, je suis allé faire les petites courses tout à l'heure. Ce soir, je me prends pas la tête. Je me suis acheté une petite conserve de lentilles avec une petite saucisse de morteau. Et puis, ça ira très, très bien pour ce soir. Oh, ouais, je vais vous montrer la petite maison là-bas. Obligé. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Excusez-moi si ça tremble hein, le téléphone, comme je vous disais dans les anciennes vidéos, je pense que le capteur machin, je pense qu'il est mort. Même si le téléphone il est pas cassé, et ça vibre de plus en plus quoi. Il va falloir acheter un téléphone, fait chier, putain. Mais bon, pour vous faire des belles vidéos, eh bien, bête. Oh, il y a plein de bois, oh là là, il y a plein de bois. Mignon, hein, petite maison là. Regardez ça. Bon, j'espère qu'il n'y aura personne ce soir parce qu'il y a plein de traces de pneus. J'espère qu'ils vont pas. Qu'ils vont pas venir. Enfin, je sais pas, on verra. J'espère qu'ils vont rien me dire quoi. C'est ça, comment elle est belle cette maison. Magnifique, hein. Oh, lui aussi, l'enfoiré, il est tout le bois qu'il y a. Oh, obligé, je vais lui piquer une ou deux bûches. Obligé. Regardez ça, la petite maison. Ben ici je serai au paradis quoi. Je serai au paradis à chaque fois que je dis ça. À chaque fois que je vois une maison comme ça isolée avec aucun voisin. Bon par contre il y a la route, ça me fait chier. Et en fait là-bas vous avez, je sais pas si vous voyez. Ah, là, je peux pas zoomer en plus je suis en grand angle. Là-bas en fait vous avez les pics du midi de. Putain comment ils appellent ça. Pic du midi de. Oh merde je sais plus. Enfin pic du midi quoi. Donc voilà, on peut monter là-haut. Bon tu viens Oscar. Bon à tout à l'heure les amis. On va se préparer, enfin on va se préparer. On va ranger un peu le camion, on va profiter un peu du soleil. Et puis voilà, allez, à tout à l'heure. Allez, viens Oscar, allez. Bon, nous on est parti en balade les amis. Regardez-moi la taille des frênes. Regardez ça. Ils sont énormes. J'ai jamais vu des frênes aussi gros je crois. Putain, c'est des trucs qu'on s'entend ça, même plus. Ils sont fat quoi. Putain, à l'automne ici ça doit être blindé de champignons quoi. Les champignons ils adorent les forêts de frênes, de chênes, de. Ah, une autre baraque là. Une petite maison, celui-là, il y a plein de maisons à droite à gauche. Oscar, tu vas où là? Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, ben, je serais pas passé là je pense. Hein, parce que là c'est un peu la gadoue, hein. C'est un peu chiant d'ailleurs. Donc on va faire demi-tour Oscar. Hein. Allez viens mon chat. Allez gros chien. Bud. Il est déjà parti. Ça sent belle ces forêts là. Vous avez vu? Que du frêne. Bon allez non, on fait demi-tour. C'est un peu la maldasse. Allez à tout à l'heure les copains. Ce soir, demain, je sais pas. Oh, je filmerai ma petite bouffe du soir quand même. Bud. Oh, putain. Cache-cache Oscar. Bon les amis, c'est encore moi. Je m'ennuie donc je vous parle. Hein. C'est le mec. Alors là j'ai fait gros ménage dans le camion là. Là le camion il est tout propre. Là, regardez ça. Regardez-moi cette beauté. Il brille de mille feux. On pourrait manger sur le tableau de bord.
Là, c'est John qui m'a filé ça. Il s'en servait pas. C'est les couvertures qu'il a récupérées à la poubelle. Elles sont nickel, elles sont en super état. Et voilà, ça protège un peu le fauteuil. Ça fait un peu baba cool. Moi, j'aime bien. Voilà. Petite déco intérieure maintenant. Ah, j'ai fait ça aussi. J'ai remplacé les. Avant, j'avais des poignées. Pas belle la qualité, c'est flou là, non? J'avais des vieilles poignées comme ça en plastique dégueulasse. Là. Et moi, j'aime bien voir un beau camion. Un beau camion. C'est que de la récup, ça. Moi, j'achète rien. Rien, rien, rien. Donc là, j'ai récupéré tous mes cactus, regardez ça. Sympa, hein? Ils ont bien poussé chez Alain. Ils ont kiffé la chaleur. Hein. C'est sûr qu'en camion, l'hiver, les cactus, c'est pas trop ça. Et voilà ma petite bricole du jeu de la journée. Et j'ai remplacé les petites poignées là par ça. Hop. Voilà. C'est pas beau ça? Voilà, c'est plus stylé, non? C'est plus stylé, c'est le style. Moi j'aime bien, je préfère quand c'est naturel. Avec que de la récup. Ça, c'est des bouts de bois que j'ai récupérés sur la plage de Tarnos, au Pays Basque. Et puis voilà, c'est plus sympa, non? Moi je préfère. Bon, je vais attendre que les serviettes à sèchent un petit peu là. Il y a un bordel dans ce camion. Moi j'aime bien quand c'est le bordel, il y en a un peu partout. Et les épices qui sont là, les plantes, les machins. On se croirait un peu en pleine nature, mais dans ma maison. Moi j'adore, je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Mais vu que Oscar se baigne tout le temps, et ben faut faire sécher les couvertures tous les jours. Voilà, il y a le plaid qui sèche là, machin. Et puis voilà. Que dire de plus? Je vous filme ma vie, hein. Rien de plus. Donc ce soir, c'est ça, j'ai acheté là. La saucisse. Saucisse aux lentilles, mais bon, les lentilles qu'ils vendent là-dedans, c'est de la grosse. Essayez d'être poli. Hein, pour une fois, Oscar. T'es d'accord? T'es d'accord? Ça va, ça sent bon. Un gros sac. Avec une petite saucisse de marteau. Et puis voilà, je suis en train de laver la gamelle dans la machine à laver. Ah, je vous ai pas montré ma machine à laver. Ah oui, j'ai investi, les amis. J'ai une machine à laver et tout. Hein. Gratuit en plus. Tout est gratuit ici. Tout est gratuit. Nettoyer un petit peu la gamelle. Hop. Oscar, viens boire un coup. Ah, voyez, là, ils mettent des panneaux. Parce que vu qu'il y a. Pardon. Merde. Vu qu'il y a une espèce de retenue d'eau là-haut, bah, ils mettent des panneaux. Prudence, quelques minutes seulement entre ces deux photos. Variation de débit imprévisible. Et ça, faut faire vraiment gaffe parce qu'une fois, j'ai été surpris à la pêche. Et c'est assez flippant. J'étais sur un petit caillou comme ça, en train de concentrer sur un petit spot comme ça. Et l'eau, d'un coup, elle est montée. En plus, l'eau, vu qu'elle est, qu'elle a un gros débit, bah, enfin, elle est plus claire comme ça. Du coup, vous savez pas trop où vous mettez les pieds. J'étais au milieu de la rivière, j'étais un peu en panique. Franchement, c'est assez flippant, quoi. Enfin bref, viens mon chien. Vous montrer ma machine à laver quand même. Quand même, quand même. Hop. Hop là. Voilà, moi pour les mes casseroles, je m'emmerde pas à frotter. Pas de savon, pas de pollution. Juste le courant. Voilà. Voilà. Et avec le courant. Là j'ai enlevé 2-3 cailloux qui étaient là. Voilà, j'ai essayé de mettre des petits cailloux pour faire un petit courant. Et voilà, ça brasse. Et la gamelle, elle est nickel. Regardez ça, ça brille. Nickel. Nickel. Hop, je vais laisser encore un petit peu. Je la récupère, espoir. Et voilà, même pas besoin de se fatiguer à frotter. Bon, qu'est-ce qu'on fait, Oscar? Qu'est-ce qu'on fait, mon chien? Allez, viens. Bon, allez, à tout à l'heure, les amis. Moi, je sais pas ce que je vais faire. Préparer la bouffe. Préparer le bois aussi. Je vais aller couper du bois avec la scie. Je vais aller piquer 2-3. Je m'en fous. Ah, le gars, je vais lui piquer 2 bûches, 2 petites bûches, histoire d'avoir un peu chaud parce que je pense que ce soir il va faire très très froid. Là déjà le soleil il commence à se coucher, vous voyez. Et là c'est là ça commence à piquer. En plus j'ai foutu la manche à flotte, je suis trempé, j'ai les pieds trempés comme un gogol. Nye. Bon, allez à toutes. Je suis trop fier de mon camion. Franchement, juste 2 poignées, moi ça me rend heureux quoi. 2 poignées en bois, c'est grave. Hein? Il est cool, non? Il est cool. Bon allez, à toutes, j'arrête de me la raconter un peu. Et puis... Tu dis au revoir, Oscar. Tu dis à tout à l'heure, Oscar. Allez, à tout à l'heure. C'était bon les chiens?
Bon, les chiens ont eu à manger. Et puis le père maintenant va manger aussi. Enfin non, pas tout de suite. On va attendre un petit peu avant de faire le feu. Mais bon, j'ai préparé la barque-bac pour ce soir. La tambouille, la tambouillette. Je vais faire des lentilles saucisses un peu revisitées à ma façon, hein. Un truc de gros sac, un truc de gros. J'aime bien les trucs de gros. Donc voilà, j'ai coupé la reste. Ce qui me reste encore de ce fromage là, celui que j'ai récupéré dans les poubelles, c'est une dinguerie ce fromage. Il m'en reste plus qu'un, quoi. Bon, après, j'en ai donné un à David, et c'est mon pote en Espagne là. Donc voilà, ce soir, ces petites saucisses lentilles. Bon, je vais mettre ça dans la grosse casserole avec la petite saucisse de morteau coupée, les petits oignons, un peu de fromage. C'est une dinguerie ce fromage. Oh. C'est une tuerie, quoi. C'est une tuerie. Tiens, gros sac. C'est mon Oscar. C'est tout, stop. Donc voilà, on va mélanger tout ça. Je vais faire cuire avant les oignons, hein. Les oignons et la saucisse. Et après, bah, je rajouterai des petites lentilles. Bon, allez, bonne soirée, les amis. Je vais pas vous filmer plus que ça pour aujourd'hui, je pense. Et puis voilà, regardez-moi, regardez-le. Regardez-le. C'est quoi ça, mon bête? C'est quoi ça? La moitié, avec ton pote. Moitié, moitié. Un bout pour toi. Oscar? Merde. Oscar? C'est quoi ça? C'est de la saucisse des mortaux, ça? C'est mon gros sac. Allez, bonne soirée, les amis. À tout à l'heure ou à demain, ou je dis à chaque fois la même chose. Hein? Il est beau, bête. Il est comme la queue de la saucisse. Il est au bout de sa vie. Saucisse ou croquette? Saucisse ou croquette? Bon, le choix, il est vite fait avec toi. De tronche. Regardez-moi ce spot de rêve. Que c'est beau. Bon, là, on est sur le parking du Intermarché. Parce que vu que je paye en espèces l'essence, sauf qu'à 9h. Donc là, encore une demi-heure à attendre. Putain, c'est moche, hein. On est à Bagnères, je sais pas quoi, là. C'est pas beau. Là, c'est bien là-bas, il y a un Lidl, je vais l'acheter des. Il y a un Aldi qui est juste là. Donc ça coûte pas très cher là-dedans, donc je vais y aller. Donc 2-20-2-20-2-20-06. 2-20-06. Putain. Sans déconner, quoi. Et ouais, c'est comme ça. Et avec 20 balles, je fais à peine 100 bornes. Voilà, 20 balles, ça me fait. Oh, je sais pas, je suis une merde en maths. Mais voilà, avec 20 balles, voilà. C'est génial. 20 balles sans bornes. Ça va, mes gros chiens? Qui c'est qui baille? Qui c'est qui baille? C'est Oscar? Non, c'est Bud. Donc voilà, vu le prix de l'essence, bah on fume des roulés maintenant. Voilà, bon, c'est des clopes espagnoles toujours, mais. Mais j'ai plus un moyen d'acheter des blondes, hein, non? Non, c'est plus possible. Un petit café, et puis voilà. Bon, allez, à tout à l'heure, les amis. On va y mettre de l'essence, on se casse. Ici, c'est vraiment vilain, hein. Viens là, bête. Bon, les amis, fin de journée bien sympathique avec ce petit coucher de soleil là au milieu des champs. On est bien là. Donc voilà, je défoule un peu les chiens parce que bah, on a passé la journée avec Nadège et Stéphane. Et bah, le pauvre Bud, enfin le pauvre Bud, c'est bon, il est pas à plaindre. Et bah, il était attaché toute la journée, Bud. Enfin, il était allongé. Allongé, ça existe, ça? Il était attaché à une longe de. Au moins 10 mètres parce que Nadège et Stéphane, ils ont deux chiens dont un mâle, et les mâles chez eux, enfin les mâles quand ils sont sur leur territoire, je prends plus le risque avec l'autre terreur là-bas parce que à chaque fois ça se finit en bagarre, ça me saoule. Donc voilà, avec Oscar je pense que ça aurait pu le faire, mais je préfère pas tenter, quoi. J'ai les vétos, c'est bon, stop. Donc voilà, j'ai passé une superbe journée avec ces gens là d'ailleurs je vais y retourner ce soir, hein. Mais là c'est juste histoire de balader un peu les chiens. Et j'ai été faire 2-3 courses aussi au Inter, là. Parce qu'il me manquait des croquettes. Bon, excusez-moi de vous filmer ce spot bien pourri. Mais bon, j'ai trouvé que ça. Mais au moins, on a un petit ruisseau, regardez. Enfin bref, je vais pas vous parler du ruisseau, même s'il est fort sympathique. Allez, on peut même se poser, c'est pas beau, ça. Ah. Donc, franchement, c'est des gens que j'adore, parce qu'on a pas... En fait, Stéphane, bah, et sa femme aussi, hein, ils font de la permaculture. Et ça, c'est vraiment une technique... Une technique que j'adore, la permaculture, voilà, vous laissez faire la nature, quoi. Tout simplement, vous laissez faire, vous touchez à rien.
Bon, il y a un peu d'entretien quand même. Mais j'adore ce mode de culture de la permaculture. J'adore ce mode de culture de la permaculture. Excusez-moi, j'ai pas fait ma sieste aujourd'hui, je suis un peu à l'ouest. Et puis on a pas mal picolé cet après-midi. Bon, je vous rassure, hein, c'est bon, c'est descendu là. Mais mais ouais, franchement, un gars super intéressant, qui aime son métier. Hein. Son métier, ouais, c'est son métier parce qu'ils sont pratiquement autonomes, quoi. Ils ont des petites poulettes, ils ont le potager, ils ont des œufs frais. Ils sont trop bien. J'ai même pas pensé à filmer leur baraque. Putain, la broutille que je suis, quoi. Demain, si je pars pas trop tôt, je vous filmerai ça. Leur maison, elle est gigantesque. Au milieu d'une part, elle est vraiment. Je crois que c'est une. Putain, si je dis pas de conneries, qu'est-ce qu'elle m'a dit, Nadège? Excuse-moi, Nadège, je vais dire une connerie. La maison, elle a date de 1850. Quoi. Vous savez, c'est les vieilles maisons en pierre, là, avec les grosses poutres apparentes. Franchement, c'est. Les baraques comme ça, j'adore. Donc voilà, vraiment une superbe journée. Ça fait plaisir de rencontrer des gens bien. Bon, je dis pas que je rencontre des cons, hein, d'habitude. Hein. Je rencontre que des gens bien. Hein. Tous les gens qui regardent les vidéos de nomades, en général, c'est des gens bien. Hein. Sauf quelques exceptions. Mais bon, ça, c'est pas le sujet. Hein, gros sac? Hein, mon gros chien? Qu'est-ce que tu fais? T'as un manque de câlin? Excusez-moi, le téléphone, il n'arrête pas de sonner. Une personne qui n'arrête pas de m'envoyer de message. Enfin, bref. Donc voilà, ce soir, on va passer la soirée ensemble. Je vais dormir sur leur terrain, dans mon camion. Hein. Mais franchement, vu que c'est des gens bien, quand c'est des gens bien, moi je reste. Hein? Pourquoi partir quand on rencontre des belles personnes? Hein, mon Oscar? Ouais. Bon, allez, bisous les amis, à tout à l'heure, à demain. J'en sais rien. Et puis, ouais, demain, faut vraiment que je pense à... Mais je sais que je vais pas y penser, tellement que je suis à l'ouest. Demain, faudrait que je filme leur maison rapidement. Franchement, vous allez kiffer. C'est vraiment la campagne, la cambrousse, avec les petites poulettes, les potagers, les vaches. Non, il n'y a pas de vaches. Mais c'est la campagne. C'est la campagne. Et la campagne, ça vous gagne. Bon, allez, à tout à l'heure. J'ai l'impression de dire que des conneries depuis tout à l'heure. Enfin, pas des conneries, mais je sais pas. Ce soir, j'ai pas la tchatche. Je suis désolé, pas la chat tout à l'heure vu que c'est un peu le bourbier chez lui. Je voulais essayer mes pneus parce qu'il a un gros tracteur et je voulais mettre mon papier à rude épreuve, mais ouais, même dans la gadoue il galère un peu, hein. Franchement, j'irais pas m'aventurer trop loin non plus parce que il est sorti, hein, il est sorti quand même, mais voyez, j'avais de la boue jusqu'ici. Et quand il y a de la boue jusque là, le papy il en chie. Hein. Enfin bref. Bon, allez, à tout à l'heure les amis, ou à demain, je sais pas. Allez, ciao, ciao, ciao. Tu dis au revoir mon gros chien? Tu dis au revoir? Tu dis bonne soirée? Tu dis au revoir? Tu veux te battre? Tu veux te battre? Qu'est-ce que t'as fait? Bon les amis, il est 7h30. Excusez-moi, j'ai une petite voix, je suis pas du tout caféiné encore. Ok, j'attends Nadège et Stéphane. Ouais, est-ce caféiné? Bud, viens ici. Vous entendez le clac-clac, là, le jus qu'il y a là-dedans? Oui, c'est ça, la petite permaculture. Enfin, la petite. Et vous avez les citrouilles, vous avez les choux, les machins. Là-bas, vous avez les fruitiers. C'est génial. Hein. Et là-bas, vous avez la vue sur l'aiguille du Midi. Ils sont trop bien. Et là, vous avez la grosse baraque. Et ça. Les vieilles fermes comme ça, là, avec le vieux tracteur à l'ancienne. 1955, le tracteur, il m'a dit. Il est pas tout jeune, hein. D'ailleurs, il l'a démarré, il fait un bordel, le truc. On dirait un V12, quoi. Donc voilà, la demeure, Stéphane, Nadège. Ils sont bien, là. Hein. Je surveille l'autre, là, parce que... Là-bas, il y a des petites poulettes. Mais la nuit, il les enferme parce que... Parce qu'avec les fouines, les renards, c'est pas possible, quoi. Donc, vous verrez pas les poulettes, tant pis. Il m'a dit qu'il y avait aussi un morceau de toit qui s'était pété la gueule, ici. Parce qu'avant, le toit, il était jusqu'ici. Et tout qui est tombé, quoi. Enfin, bref. Donc, voilà, je voulais vous montrer sa petite maison. Et puis, voilà. Évidemment, si je bafouille, mais là, je suis pas réveillé. Allez, à tout à l'heure. Moi, je vais aller me caféiner. Petit café. Obligé. Bon les amis, on est vendredi, et ça va être la fin de la vidéo. Ah, il faut bien que ça s'arrête un jour, hein. Après il n'y a rien, voilà, comme vous avez pu le constater, il n'y a rien de fou, quoi, il n'y a rien de fou.
Donc voilà, ce matin je suis parti de chez Stéphane et Nadège. Voilà, je me répète, on a encore passé une superbe soirée, c'était vraiment sympa de faire connaissance avec des gens comme ça. Et là, je vais rejoindre mon poteau John, là, qui est pas loin. Mais bon, je sais pas où il est. Je connais pas son spot, du coup, je préfère faire un petit tour au chien avant. Qu'il pisse un coup déjà, parce que ça fait 2 heures qu'ils sont dans le camion, les gros sacs. T'as des puces, toi? Donc voilà, les amis, je vais vous laisser là-dessus. Encore un grand merci pour vos commentaires sur l'ancienne vidéo. Ah oui, je voulais vous dire, je suis désolé d'avance. Mais pour l'instant, il n'y aura plus de musique de fin. Parce que j'ai mis une musique sur l'ancienne vidéo. Parce que maintenant que je peux monétiser ma chaîne, je vous mets des pubs. Hein, je suis désolé aussi. Mais voilà, faut bien gagner un peu de sous. Et même avec une musique sans droit d'auteur, elle a été en réclamation. Donc du coup, j'ai contesté. Et ça a mis 3 jours à contester. Donc là, j'ai touché, dans la dernière vidéo, j'ai touché 2,70 €. Donc voilà, j'aurais pu gagner au moins 20 balles. Je pense. Et voilà, elle a eu 5 000 vues. Elle a commencé à être monétisée quand j'ai eu 5 000 vues. Donc pour vous dire que j'ai absolument rien touché sur cette vidéo. Donc en attendant que je fasse le point, en attendant que je trouve vraiment des musiques où ils vont arrêter de m'emmerder, YouTube, pour l'instant je préfère ne pas mettre de musique de fin. Voilà, je suis désolé, mais faut bien gagner un peu d'argent. Voilà, si je veux continuer l'aventure avec vous. Eh ben, il va falloir faire des sacrifices. Mais bon, ça reviendra, hein, les musiques. Ça reviendra. Donc voilà, encore un grand merci à... Merde. À Isabelle, à Patrick et à Mumu. À Mumu, de m'avoir fait un Tipeee de 1 euro. Et à Thierry, un PayPal aussi. Donc voilà, ça permet de mettre un peu d'essence dans le camion. Parce que là, c'est... Là, je me répète avec ça, mais moi, je suis en train d'halluciner complet, quoi. 2,20 le litre, quoi. 2,20. Non, mais sans déconner, quoi. Quoi moi avec ça? Donc voilà, à ce moment c'est un peu compliqué niveau budget parce que l'essence ça me ruine. Donc là on va direction l'Ariège. Voilà, j'aimerais bien finir mon petit périple en Ardèche, enfin rester un peu en Ardèche. Et pourquoi pas, pour l'instant je garantis rien, je sais pas trop encore. Faire je sais pas 2-3 mois en Suisse quoi, histoire de me blinder les poches en Suisse et bien repartir quoi. Donc je sais pas trop encore. Je vous dis ça, il n'y a rien de sûr. Donc voilà les amis, portez-vous bien, encore un grand merci de nous suivre, un grand merci pour tous vos commentaires, hein, comme d'habitude, et puis on se dit à la prochaine vidéo, comme d'habitude, allez, gros bisous, ciao! Oscar, viens dire au revoir, viens mon gros chien, allez viens gros chien! C'est bizarre ça les... Tu dis au revoir Oscar! Allez viens, viens dire au revoir, viens dire au revoir, et gros sec, et gros chien! T'es déjà content lui. Allez, allez bisous, ciao!